Il travaille à Kirundo depuis, je crois, 5 ans. Et c'est une œuvre qu'ils sont en train de faire, de réaliser davantage. Ils voient vraiment la main du Seigneur, ils voient de puissantes conversions. Ils voient des miracles, ils vont nous donner quelques témoignages maintenant. Ils voient des guérisons, ils voient des délivrances. Donc ils voient les œuvres de Jésus. Amen, 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 amen. Donc je vais leur laisser la parole et vraiment que vous soyez encouragés par les témoignages à travers de la parole. Il y a des gens, vous savez, qui vont dans des endroits qui ne sont pas faciles. Et Kirundo, les toutes premières années, c'était vraiment très dur au niveau de la religion. Religion et superstition. Et maintenant, ils ont une église où il y a à peu près 150 personnes. Et l'église progresse régulièrement, ils ont des nouveaux commerçants. Régulièrement. Il y a vraiment une belle œuvre du Seigneur qui est en train de se faire. Et l'œuvre du Seigneur se fait avec les dons et avec le cœur. Amen. Amen. Père Céleste, nous te louons. Et nous a béni de toutes sortes de bénédictions célestes en Seigneur Jésus. Nous disons merci à notre église locale de Bujumbura. Même si nous servons le Seigneur à l'intérieur du pays, nous sommes les mêmes que vous. Cela fait bientôt 6 ans que nous sommes à Kirundo. Peut-être que certains vous nous avez déjà oubliés. Mais c'est vous qui nous avez envoyés. Là où nous servons le Seigneur, il y a vraiment des œuvres qui se réalisent. Et ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même qui agit. Pasteur Capitolina. Je suis en compagnie de la pasteur Capitolina. Pasteur mwiza cyane. En réalité, c'est une brave pasteur. Si mu buryo bw'amajambo gusa ndiko nababwira. Je le dis pas seulement avec des paroles, mais c'est vraiment la réalité ce que je vous dis aujourd'hui. Ceux qui la connaissent, vous la connaissez. Et moi, je rends témoin de ce que je vis et de ce que je vois. C'est vraiment une bonne épouse. Je n'ai pas de paroles qu'il faut pour la décrire. Elle est comme j'aurais voulu vraiment qu'elle soit. Et je n'ai point de doute qu'elle ressemble à ce que Jésus veut pour elle. Je vais lui accorder la parole pour vous partager ce qui se fait à Kirundo. Je lui souhaite la bienvenue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue, Église de Dieu. Je n'ai pas beaucoup de paroles à dire. Elle a parlé de moi. Je vais me résumer brièvement. C'est vraiment un bon leader. Plus d'acclamations pour lui. Alléluia. Amen. Amen. Il est vraiment ouvert par le Seigneur. C'est mon roi. C'est vraiment la réalité. Okay. On ne va pas parler sur les couples aujourd'hui. On va parler sur ce que le Seigneur est en train de faire. Lorsque nous sommes arrivés à Kirundo, c'était dur. C'est arrivé goye cyane. Ariko, mais en tout moment, nous sommes dit, Seigneur, par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de grand-chose. Mais avec toi, tu vas nous aider à réaliser des exploits. Alléluia. Amen.
Nous ne sommes pas partis à Kirundo envoyés par le pasteur. S'il m'avait envoyé, je n'aurais pas dit oui. Mais c'est Dieu qui nous a envoyés là-bas. Lorsque Dieu t'envoie quelque part, tu essaies de te trouver des arguments. Tu essaies de donner de fausses excuses. Mais c'est facile de laisser tomber ce qui te court derrière. Et c'est compliqué de laisser tomber ce qui te court dedans. Il y avait un feu de Dieu qui nous dévorait, un feu de Dieu qui bouillonnait en nous. C'est ça qui nous a aidé à partir. On a traversé des moments pénibles. Pasteur Yama vugati intango. Le pasteur nous répétait souvent tous les débuts. Vous allez suer. Je l'ai vécu vraiment, pasteur. Mais il ajoutait également cette parole. Il a dit, un jour, vous allez découvrir la puissance de Dieu en train d'agir. Vous allez louer le Seigneur. Vous direz à ce moment, Seigneur, c'était ici qu'il nous fallait être. Amen. Je m'imaginais comment monter, descendre de la terre du pays. Mais Dieu, il est vraiment bon, il m'a donné parole. Il m'a dit, tous qui sont confiants vont toujours se renouveler dans leur force et ce sera pareil pour toi. J'ai dit, Seigneur, j'accepte ta force. Mais j'ai encore de petits enfants. Ils ont besoin d'être suivis par leur maman. Et Dieu a répondu à ma prière. Prends soin de mon royaume. Je vais prendre soin de ta famille. Et j'ai saisi cette parole. J'ai marché sur cette parole. Honnêtement, dans ma famille, c'est vraiment Dieu qui prend soin de ma famille. C'est vraiment la gloire de Dieu. Mes enfants ne sont pas parmi les derniers, mais parmi les premiers. Acclamez très fort pour eux, parce qu'ils soutiennent vraiment le royaume de Dieu. Maintenant, nous en sommes. Nous sommes à un moment où nous voyons Dieu agir. Et nous, en tant qu'humains, nous sommes dépassés. Et cela devrait être ainsi. Quand tu n'es pas encore débordé, tu te dis que tes efforts peuvent être limités. Mais nous voyons réellement. Dieu est en train de manifester sa gloire. La gloire de Dieu monte de plus en plus. Dieu est en train d'agir de façon miraculeuse. Nous voyons des paralytiques venir dans notre église. Aujourd'hui, nous avons des chaises un peu où nous tirons des gens des hôpitaux et nous donnons ces lits pour ces malades. Et la gloire de Dieu descend. Nous prions pour ces gens. Et les malades rentrent et marchent sur leurs pieds. Acclamez très fort Dieu pour ça. Amen. Yavuze bamwe muri kirite ya mbere. Il a parlé de certaines personnes pendant le premier culte. Très brièvement, je vais partager des témoignages. Je me connais quand je commence à parler. Au départ, j'étais timide. Mais à cause de la gloire de Dieu sur ma vie, et à cause de la puissance de la parole de Dieu dans ma vie, quand je commence à témoigner les merveilles de Dieu, c'est vraiment dur pour moi de stopper. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a donné la sagesse. Nous avons dans notre église une dame. Un jour, elle est venue vers nous. Nous avons prié pour elle. Après la prière, on ne connaissait pas sa vie, mais le Saint-Esprit. Il a révélé qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème dans son ventre. Elle avait des tumeurs. Et cette dame-là, on l'avait fait une opération par rapport à cette tumeur. Et après, quand elle est retournée à l'hôpital, elle cherchait à mettre au monde. Et les médecins lui ont dit, les tumeurs qui sont dans ton corps, non seulement tu ne vas pas avoir d'enfant, mais on ne va plus t'opérer. Ces dames avaient des problèmes compliqués par rapport à son dos.
Imana imugendeye. Mais lorsque Dieu l'a visité, hururutse ubushobozi bw'Imana. Il y a la puissance de Dieu qui est descendue, qui a traversé son ventre. Il a brûlé toute cette tumeur. Et maintenant, il n'y a aucune tumeur dans le ventre de cette maman. Amen. Beaucoup d'acclamations pour Dieu. Et l'année prochaine, quand je serai ici, je vais vous témoigner qu'il a toi un enfant. Amen. Amen. Un jour, on nous a apporté quelqu'un d'autre qui avait des plaies sur tout son corps. Il avait des frictaines sur tout le corps. Oui. On ne pouvait pas toucher son corps. Ariko kubera bamuzanye kuri église, mais parce qu'on l'avait apporté à l'église, on acceptait de toucher ses plaies. On se disait, même si on peut être infecté par cette maladie, nous, on ne sera pas infecté. Amen. On ne peut pas être infecté à cause de la puissance de Dieu qui agit en nous. Il y avait 2 ans mu bitaro bimwe by'Ibujumbura où elle était à l'hôpital. Baramubwira bati nugende. Les médecins lui ont dit tu peux rentrer. Arataye muhira. Elle est rentrée chez elle. Ashitse muhira biranka. Arrivée chez elle, rien n'allait. Ku bitaro mu Kirundo. On l'a ramenée à l'hôpital à Kirundo. Baravuga bati twarakurungitse Ibujumbura. On lui a dit on t'a transféré à Bujumbura. Ugarutse no gukora iki? Pourquoi tu reviens à Kirundo et pourquoi faire? Ishengero. Et l'église n'est pas faite seulement d'un pasteur. Elle est également faite par des chrétiens. Il y a des gens qui sont devenus à l'hôpital, qui connaissaient sa vie. Ils ont demandé l'autorisation. Ils ont tiré les sérums, ils ont apporté ce malade à l'église. On a prié pour cette personne. On lui a dit ces paroles. Reçois la guérison de Dieu. Reçois la guérison kuri wewe. Ça coule dans ton corps. Uyu munsi, à partir d'aujourd'hui, yawe, ton sang, il y avait plein de virus dans ton sang aujourd'hui. Ariko uyu mwanya, mais à partir de cet instant, maraso mashashi, tu reçois un sang nouveau qui descend du ciel, ushobozi bugukiza, qui est rempli d'une puissance genda, qui te guérit. Rentre chez toi. Munsi, à partir d'aujourd'hui, toutes ces plaies vont commencer à sécher. Cette semaine, elle va quitter l'hôpital. À partir de ce jour-là, on lui a dit tout ce que tu as vécu auparavant, ça ne sera plus la même chose. Que soit cette parole qui soit vivante pour toi. À partir de ce jour-là, il n'y a plus de complications dans ta vie. Processus yuko biguma vyuma biguma vyuma biguma vyuma. Il y a un processus de guérison progressif qui a commencé dans la vie de cette personne. Amen. Muri ivyo byose. Et parmi toutes ces choses, ikinyohera, ce qui réjouit mon cœur. Amagerizo ibintu byo gukira indwara Kristo yarabiduhaye. Yarabidusezeraniye. Nous savons que nous avons une promesse de guérison. Ikimimbara. Mais tout ce qui réjouit mon cœur. Ubushobozi bwo gukira indwara bukoreye ko. Quand la puissance de guérison agit dans la vie de quelqu'un, il reçoit également Jésus comme puissance sénateur. C'est ça qui nous préoccupe. C'est ça que nous avons choisi. Rappelez-vous toujours, si un seul péché se répand, il y a des acclamations dans le ciel. Et lorsque tu prêches la bonne et que quelqu'un se répand, le ciel se lève. Et parmi ces champs d'allégresse, le ciel te voit. Cela veut dire que cela veut dire que tu vas te prendre en gloire, tu graves parmi toutes ces choses. Nous voyons des gens qui sont libérés. Nous voyons des gens qui viennent vers nous, qui nous disent, moi, on m'a donné du poison. Et ces personnes rentrent libres. Nous en sommes à un stade. Il y a des pasteurs d'autres églises. Lorsqu'ils voient des malades en stade terminal, ils leur disent ces mots. Allez-vous convaincre au pasteur de Shaddai pour visiter cette personne. Alléluia. Amen. Amen. Tout ça pour vous dire, c'est la gloire de Dieu qui est en train de se manifester. Amen. Je voudrais vous dire ceci. Ceci n'est qu'un début. En qui on dit, on le dit si bien. Le meilleur reste à venir. Alléluia. Amen. Vous êtes richement bénis.
Amen. Amen. Mu byukuri ibyo Yesu areka dukorera birarenze uko twebwe dushobora kwiyumvira mu bwenge bwacu. En réalité, tout ce que Jésus est en train d'agir, de faire dépasse notre entendement. Icyo dukora, tout ce que nous pouvons faire, tugerageza gushyira mu ngiro ijambo ryiwe. Nous essayons de mettre en pratique sa parole. Kandi nabyo nyene si ku bushobozi bwacu. Et cela n'est pas également par nos propres efforts. Ariko ni ku bwa mwe muyera. Mais c'est par le Saint-Esprit. Twebwe yuko umwaka utashe, à chaque fin d'année, nous essayons d'intituler la nouvelle année que nous avons commencé. L'année dernière, on l'avait intitulé une année de connaître Dieu. Connaître qui est Dieu, quelle est sa parole. Mais cette année, nous l'avons intitulé une année de foi. Nous avons expérimenté pas mal de choses par la foi. Nous avons appris que c'est la foi qui amène à manifestation la vie éternelle. Nous avons vu la foi guérir les malades. Nous avons vu la foi changer les circonstances. Paolo yaravuze muri Timoteo wa kabiri. Et Paul l'a dit dans 2 Timothée. Igice cya kane. Le chapitre 4. Ku murongo w'indwi. Sur son 7e verset. Timoteo wa kabiri igice cya kane ku murongo w'indwi. 2 Timothée 4 7. Haravuga uko ngo nagwanye intambara nziza. Narangije urugendo nazigamye kwizera ibisikaye mbikiwe igitsibo cy'ubugingo. 2 Timothée 4 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ibi ndiko ndababwira, tout ce que je suis en train de vous partager, mu bisanzwe nibyo turiko twigisha muri El Shaddai mu Kirundo. En principe, c'est ce qu'on est en train d'apprendre à l'église El Shaddai Kirundo. Il y a 2 mois déjà que nous sommes en train de partager sur la foi. Pour atteindre un stade où nous réalisons réellement ce que cela signifie. Afin de mettre en pratique cette parole. Et de vérifier si Dieu agit par rapport à ce qu'il a promis. Et tant de la même façon qu'il s'attend à ce que nous soyons. Et tu seras renfermé dans sa parole. Raison pour laquelle nous nous basons sur la parole de Dieu. Paul déclare, j'ai combattu le bon combat. Il y a quelqu'un qui peut vaincre son combat. Cela veut dire qu'il n'y a jamais un petit combat. Et si tu veux bien mener ton combat, il y a des préparatifs. Notre combat là où nous agissons, c'est le combat de rechercher la foi. Parce que dans la foi, il y a une protection. Il y a également le succès, la victoire. Il y a toute forme de puissance. Raison pour laquelle, ce n'est pas que la foi dans la vie des chrétiens, mais nous avons un rôle primordial. Ce qui est le Paul a dit que raison pour laquelle Paul nous dit j'ai combattu le bon combat. Et si nous lisons également dans 1 Timothée 6, verset 12, il dit ubwo wahamagariwe ukabwaturukwatura kwiza mu maso y'ibyabona byinshi. Il est écrit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. La raison pour laquelle nous sommes appelés, ce n'est pas que les gens viennent s'asseoir dans l'église seulement,
qu'ils écoutent la parole et puis rentrent chez eux. Et après, ils n'agissent pas sur la parole. Mais Dieu veut agir avec toi. Et tu ne peux pas agir avec Dieu en tant que foule. Tu dois collaborer avec Dieu à titre personnel. Parce que Dieu te cherche à titre personnel. Il va te parler à titre personnel. Il a besoin de toi dans ce domaine, dans un autre. Parce que tu es vraiment d'un grand prix devant ton Dieu. Et pour que tu puisses accomplir ça, tu as besoin d'apprendre du Seigneur. Et la façon dont Dieu peut t'apprendre, il te donne sa parole. Après, tu mets en pratique la parole. Tu reconnais que ce qu'il te dit, c'est la vérité. Et tu commences à pratiquer cette parole. Pendant que nous sommes en train d'apprendre sur cette parole, parce que nous voyons que dans la foi, il y a pas mal de puissance. Nous avons lu. Et nous avons compris que tout est possible à celui qui croit. En réalité, tout est possible. Seulement quand tu es dirigé par la parole de Dieu en qui tu as foi. Iyo rero ufise uko kwizera, quand tu as une foi aussi ferme, utangura kugendera mu bishoboka gusa. Tu commences à marcher dans le possible seulement. Kuko yakubwiye ko gishoboka kiba gishoboka. Parce que ce qui t'a promis que c'est possible, c'est vraiment possible. Kandi cyo yakubwiye ko kidashoboka ntikiba gishoboka. Est-ce qu'il te dit que c'est pas possible, ça doit être ainsi. Nico gitumu tegezwa kuguma mu limite Imana yaguhaye. Raison pour laquelle tu dois rester là où Dieu te veut. Utanguye kurenga karimbi. Si tu commences à aller au-delà de karimbi. Mu kibanza kitari gwawe. Tu es sur un territoire qui ne t'appartient pas. Quand Dieu te promet que c'est possible, c'est vraiment possible. Il nous a donc promis que nous pouvons tout changer. Mais il y a quelque part ailleurs où c'est écrit. Il a dit que ce qui n'est pas possible, pour les hommes, c'est possible devant Dieu. Nous avons compris que toute chose est possible pour deux types d'individus. Cela est possible pour toi qui as foi. C'est également possible pour Dieu. Vous en tant que deux individus. Ah, finalement. Nous avons compris que lorsque tu as foi en Dieu, tu n'es plus toi en tant qu'individu, mais tu es comme un petit Dieu, parce que tu es capable de faire ce que Dieu est capable de faire, parce que ce qui remplit notre Dieu, c'est également en toi, et tu fais la même chose que ton Père. Cela, il nous le promet dans sa parole. Il nous a promis que si nous avons confiance en nous allons ressembler à notre Dieu. Jésus nous a dit, ceux qui sont en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes des créatures qui sont différentes des anciennes. Au début de l'année passée, on m'a invité dans une réunion qui a eu lieu à Bujumbura. Et dans cette réunion, j'ai croisé des gens avec lesquels je n'avais pas encore vu depuis longtemps. Il y a très longtemps, j'étais avec ces personnes en 10e année, il y a très longtemps. Alors, quand on s'est rencontrés dans cette réunion, on a commencé à partager sur notre passé. Et certains de mes amis m'ont rappelé, Ernest, tu te rappelles ce qu'on faisait dans le temps, ceci et cela? Je lui ai dit non. Et il m'a dit, même si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, est-ce que c'est toi vraiment, Ernest? Et je lui ai répondu, le Ernest auquel tu fais allusion, celui-là qui faisait ses bêtises, je le connais, il faisait les mêmes erreurs, mais je ne suis plus ce même Ernest, parce qu'aujourd'hui je suis une nouvelle créature.
rero mu byukuri ceci pour vous dire Imana yaraduteguriye ukuntu bitegezwa kuba bimeze. Dieu a prévu la façon à laquelle nous devons marcher. Il nous a tirés de très loin. Il nous dit qu'il nous a tirés très loin du royaume des ténèbres. Et il nous a transférés dans le royaume de son fils bien-aimé. C'est là que nous devons demeurer. C'est là que nous devons agir. Notre identité, c'est celle-ci. Nous devons garder foi dans cette parole pour avoir la réelle vie que nous avons en Jésus-Christ. Ce qui est triste à dire, il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils ont été tirés du royaume des ténèbres. Mais en réalité, ils ne sont pas tirés du royaume des ténèbres. Parce que même aujourd'hui, ils utilisent les mêmes stratégies que dans l'ancien royaume. Quand on parle de royaume, quand on parle de royaume, on ne comprend pas trop, mais on peut comparer ça à des pays. Un jour, j'ai voyagé vers la Tanzanie. Je suis parti avec ma propre voiture. Et en cours de route, quand on était encore sur la route, quand on était encore bondé, on disait on a une priorité à droite. Mais arrivé vers la Tanzanie, ils nous ont dit ils ont la priorité à gauche. Quand je suis partie, c'était la première fois que je voyageais vers la Tanzanie. Arrivé en Tanzanie, j'ai complètement oublié. Quand je conduisais ma voiture, j'ai gardé la priorité à droite. Et le passager à côté de moi, il m'a dit, tu vas tuer les gens. On a changé de royaume. Parce que si tu continues de conduire la même chose que tu faisais pour moi, si c'est toi qui meurs, tu vas tuer d'autres personnes. Les choses vont vraiment mal se passer. Jésus donc nous a tirés de quelque part. Il nous a transférés. Il nous a transférés vers le royaume de son fils bien-aimé. C'est donc triste à dire de voir quelqu'un qui a été transféré. Mais il ne réalise pas vraiment. Pourquoi ça? Parce qu'avoir foi dans la parole de Dieu, cela n'est pas manifeste en lui. Il n'agit pas par rapport à la foi. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 18, 26. Luc 10, 19. Aratubwira ko dufise ubushobozi. Il nous est dit que nous avons la puissance. Luka 10 igice cy'icumi. Luc chapitre 10. Umurongo wa 19. Verset 19. Haravuga uko ehe mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na skorupiyo nubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwasi bwose. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. La raison pour laquelle nous marchons par la foi, c'est parce que tout ce qu'il a dit, c'est vraiment possible. Seulement quand tu marches par la foi. Ce n'est pas possible parce que tu as déjà entendu parler de ça. Mais c'est possible parce que tu as la foi que c'est possible. Et tu marches dirigé par le Saint-Esprit dans sa parole. La parole de Dieu nous rassure que nous avons la puissance. Nous marchons dans la puissance de Dieu. En vérité, nous devons utiliser la puissance de Dieu. Tout ce que je vous partage, on vient d'apprendre ça pas mal de fois. Pour que finalement, on puisse atteindre un stade où nous connaissons réellement qui nous sommes. Vous savez comment que la foi vient de la parole de Dieu.
Je sais qu'aujourd'hui, je vous apprends pas grand-chose. Tout ce que je vous apprends, je l'ai appris ici. Mais je n'ai pas honte de vous répéter les mêmes paroles. Il y a longtemps, ici au Burundi, quand on était encore dans les montagnes à l'intérieur du pays, quand on voyait quelqu'un qui venait de Bujumbura, on se disait qu'il avait toutes choses pour nous donner. Mais quand je suis retournée, quand je suis partie à Kirundo, je veux qu'à Bujumbura, on réalise que j'ai tout pour vous donner ce que j'ai appris ici. Parce que j'ai vraiment la puissance. La puissance qui ne dépend pas de moi. Mais la puissance qui vient de la source qui est Jésus. C'est Jésus qui nous donne cette puissance. Raison pour laquelle la foi, nous devons rechercher la foi et apprendre comment cela doit marcher. La foi est renfermée dans la parole de Dieu. Quand tu lis le psaume premier, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. » Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mais tout ce qui réjouit son cœur, il médite sur ça le matin et le soir, le jour et la nuit. Cet homme-là va ressembler à un arbre planté près des courants d'eau. La foi a une certaine façon de façonner ta vie. La foi peut te changer en quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a plus peur des préoccupations de ce monde. Quelqu'un qui sait qu'il a toutes choses en Jésus-Christ. Et nous a promis tout ce que tu verras parce que tu es rempli de foi. Cette chose sera ainsi faite. En principe, toutes les personnes ont besoin d'être rassurées que tout ce qu'ils font marche. Mais il y a d'autres gens qui ont des voies qui ne sont pas tracées par Jésus. Raison pour laquelle Gushishwa s'est tellement rempli parmi la vie des gens. Raison pour laquelle on peut même dévier le pied des gens parce qu'on a ses propres pensées. Parce que Jésus nous a promis, c'est moi le chemin, la vie et la vérité, et personne ne sera confus s'il marche en moi. Raison pour laquelle nous sommes vraiment fondés. On a réalisé que la foi, ce n'est pas très facile pour toutes les personnes. Personne en réalité ne désire vivre dans la défaite. Mais toutes les personnes veulent expérimenter le succès. Mais ils ne savent pas comment arriver à cette foi. Certains se disent, je vais m'asseoir un jour quelque part. Et cela va descendre comme la main du ciel sans rien faire. Mais Dieu attend quelque chose de ta part. Raison pour laquelle on s'est mis à part, on a dit, comment expliquer honnêtement la foi pour que les gens puissent expérimenter le changement. Ceux qui ne sont pas suffisamment éclairés par la parole de Dieu. Je les ai vus s'asseoir toute la nuit en train de prier. Ils ont même fait des jeûnes terribles. Ils ont prié Dieu pour qu'ils puissent être remplis par la foi. La foi ne vient pas parce que tu pries. La foi a une autre source. On a pris un temps de mise à part, on s'est dit comment la foi peut être germée. Et on a pris Marc 5, 25. Marc 5, 25. Pour
pour apprendre comment on peut être équipé et voir la foi germée. On a la parole de Dieu. Tout ce dont on a besoin, c'est sous nos yeux. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à faire cette foi. Parce que la foi qui est indispensable, tu n'as pas encore cette dose-là dans ta vie. On a réalisé que la première chose à accomplir, on peut le voir. Quand umugore agwaye ubutinyanka yarabimaranye imyaka 12 yarababajwe cyane n'abavuzi benshi bamumarisha ibintu byiwe byose abitanga ko ingemu ntihagira icyo bimumarira mbere arushiriza kugwara yumvise ibya Yesu araza acya hagati y'ishengero aturuka inyuma akora ku mpuzu ziwe 28 yari yibwiye ati niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira inyisho y'uyu mudamu Marc 5:25-28 la solution pour cette dame. Elle voyait qu'elle avait vraiment besoin d'une guérison. Et c'était dit quelque part. Et se disait que les médecins pouvaient l'aider. Elle espérait que d'autres guérisseurs pouvaient l'aider. Elle a dû chercher pas mal de conseils pour savoir quoi faire. Elle a donné son argent de plusieurs façons. Mais tout ça, c'était en vain. Elle n'a pas eu de solution par rapport à ça. Mais un bon jour, il est écrit « Ayant entendu parler de Jésus ». Ça, c'est le premier début pour que la foi soit germée. « Ayant entendu parler de Jésus ». Je ne doute pas que vous entendez sans cesse de Jésus. Vous entendez parler de Jésus pas mal de fois. Vous avez un serviteur de Dieu qui lui-même nous a éduqués. Il nous a formés, il vous apprend pas mal de choses. Mais il ne peut pas entrer dans vos cœurs pour expliquer, donner la vraie solution par rapport à ça. Lui, il te parle des choses qui concernent le seulement. C'est toi qui sauras comment agir par rapport à cette parole. Que cela engendre ou pas la puissance dans ta vie ne dépend pas de l'orateur. Mais la solution reste sur deux personnes. Toi et le Seigneur Jésus qui a déclaré cette parole. Tu dois collaborer avec Jésus dans ton cœur. Cette dame-là, elle a entendu parler de Jésus. Elle a commencé à raisonner dans son propre cœur. Elle a commencé à réfléchir. Elle a commencé à réaliser que Jésus guérit. Parce qu'elle avait entendu parler que Jésus guérissait. Cela a commencé à germer dans ses pensées. Elle a commencé à nettoyer dans son être intérieur. Elle a mis de côté que les sorciers pouvaient l'aider. Elle a effacé que ses pensées pouvaient l'aider en quelque sorte. Elle a reçu la pensée de Jésus au travers de sa parole. Elle a su correctement, sans aucun doute, que Jésus est capable de la guérir. Alors que les autres personnes ont échoué, parce qu'elle a eu foi dans cette parole, elle savait que si seulement elle pouvait toucher Jésus, elle allait obtenir sa guérison. Elle l'a vraiment fait. Elle a commencé à marcher sur cette pensée. Une pensée qui vient au début de Jésus, qui a percé son cœur. Elle a commencé à réfléchir sur cette pensée. Elle a fait grandir cette parole en elle. Elle a commencé à agir. De la même façon qu'elle agissait, de la même façon qu'elle recherchait, pour qu'elle puisse atteindre ces dimensions, je me dis qu'il y a pas mal de temps qui a passé. Nous voyons qu'elle était malade.
Nous voyons qu'elle était entourée d'une grande foule. Et nous voyons qu'elle devrait marcher pour atteindre Jésus où elle a été. Elle était faible, mais en elle, elle avait la foi que Jésus pouvait la guérir. Et devant elle, il y avait une grande foule de gens. Elle cherchait tous les moyens possibles pour atteindre là où Jésus était situé. Quand quelqu'un entend la parole de Dieu, il y a beaucoup de pensées qui passent par sa tête, qui peuvent te freiner pour atteindre là où Jésus se trouve réellement. Tu dois combattre ces pensées. Cesse de combattre avec les gens. Combat les pensées qui t'habitent. On a lu au départ que Paul, il nous a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai saisi la foi et j'ai achevé ma course. Il me reste une couronne de gloire. Je désire ce matin qu'un bon jour on puisse se retrouver au ciel. On n'a pas d'autre chemin. C'est avoir foi dans cette parole. Cette parole de Dieu. Raison pour laquelle tu dois vraiment faire attention sur tes pensées. Pour que tu ne te retrouves pas au-delà des attentes de ton Dieu. Nous devons faire attention par rapport à ça. Pour qu'on puisse atteindre cette dimension, il y a une bonne attitude que tu dois développer personnellement. Jésus lui-même, quand il nous a sélectionnés, quand il t'a appelé, il a une attente par rapport à ta vie. Jésus a une attente par rapport à ta vie. Il a prévu quelque chose que tu dois faire dans ton cœur. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, 2 Corinthiens 5, Jésus a une attente par rapport à toi. Et il s'attend à ce que tu le fasses. Il attend de nos vies quelque chose de meilleur. Jésus a déjà prévu la puissance pour nous tous. Et il veut qu'on puisse marcher dans la puissance en gardant cette foi. Il est écrit. Kandi cyatumye apfira bose kwari kugira ngo abariho babeho batakinezereza ariko babeho banezereza uwadupfiriye akatuzukira. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort ressuscité pour eux. Si tu es vraiment, tu es conscient que Jésus est ton sauveur et tu veux marcher dans ta destinée, Jésus a déjà pourvu pour que cela soit possible. Il a donné sa propre vie. Il est allé à la croix. Il a été frappé. Il a accompli tout ce que tu n'étais pas capable de faire. Il a été revêtu d'une couronne d'or. Couronne d'épines pour que tout ce qu'il a déclaré dans ta vie soit possible. La parole de Dieu vient de nous dire donc ce qui a fait qu'il puisse mourir pour nous tous, la raison pour laquelle Jésus est mort pour toi, la raison pour laquelle Jésus t'a cherché, la raison qu'il a poussé à te racheter, c'était pour que tu puisses vivre étant en Jésus, mais que tu dédies ta vie à Jésus, que tu ne cherches plus à te faire plaisir, mais cherchant à faire plaisir ton Jésus de la même façon qu'il a prévu une joie parfaite pour toi. Le dimanche dernier, il y a eu une manifestation de gloire de Dieu dans notre église.
basanzwe batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Il y avait dans notre église des gens qui n'étaient pas encore sauvés. Hanyuma muri ubwo bwiza, pendant qu'on était dans cette atmosphère de visitation, la gloire de Dieu nous a richement visités. Certains sont tombés sous la puissance de Dieu. D'autres ont commencé à prier en langue longtemps. D'autres pleuraient. Après 4 jours, il y a une jeune fille qui est venue vers moi. Elle m'a demandé, dis-moi, pasteur, j'ai une question par rapport à ce qui s'est passé dimanche dernier. Et il se disait, moi, pendant ce moment-là, je ne réalisais pas où j'étais. J'étais tellement rempli de joie. Mais je n'arrivais pas à capter tout ce qui m'arrivait. J'ai senti comme si j'étais rempli d'enfer. J'ai expérimenté une joie inexprimable. Et cette jeune fille m'a dit, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui m'est arrivé vraiment? Et je lui ai demandé, en principe, tu fréquentes quelle église? Et m'a dit, je fréquente les catholiques. Je lui ai demandé s'il a déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et m'a dit non. Je lui ai donc dit, toutes ces choses-là que tu as vues ce jour, il y a des gens qui ont déjà reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et qui ont la foi dans tout ce que Jésus a déclaré, qui ont déjà consacré toute leur vie à Jésus, qui étaient en train de célébrer. Ils étaient en train de louer. Et Dieu et sa gloire est descendu dans cet endroit. Toutes les personnes ont expérimenté une joie inexprimable. Et je l'ai donc dit, tu étais comme dans un lift parmi ces gens-là. Et m'a regardé les yeux grands ouverts. Et m'a dit, yo, pasteur. Honnêtement, j'étais comme dans un lift. Et je lui ai dit, franchement, oui. Parce que cette joie que tu as vue ce jour-là, les personnes qui t'ont invité, aujourd'hui sont encore remplis de cette joie-là, même si tu les rencontres chez eux. Mais toi, après une semaine, je lui ai demandé, est-ce que tu as la même joie que tu as expérimenté ce jour-là? Elle m'a répondu, franchement, non. Ah, ni lift rero wari waro. Je lui ai donc dit, tu avais donc eu juste un lift. Si c'était vraiment cette joie, était pour toi, même en cours de route, tu expérimentes toujours la puissance de Dieu dans ta vie. Ce jour-là, j'étais en compagnie de quelqu'un d'autre. Et je lui ai demandé, est-ce que je viens de lui répondre correctement? Il m'a dit, c'est vraiment la vérité ce que tu viens de dire. Ceci parce que moi-même, lorsque je suis en cours de route, même quand je conduis mon véhicule tout seul, je suis en train de prier en langue et je sens la présence de Dieu dans ma vie. Et je me suis retournée vers la jeune fille. Tu as entendu? Ça se recherche. Reçois donc Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et j'ai pris un moment pour lui expliquer. Il a accepté Jésus dans sa vie. Actuellement, elle fait les cours de fondation. Elle est vraiment contente pour ça. Parce qu'elle a constaté la différence
entre celui qui a foi en Jésus et qui est sauvé et celui qui ne l'est pas. Tout ce que je vous partage, ce n'est pas que des mots seulement. Mais c'est pour que ça puisse pénétrer dans ton cœur, que ça commence à agir dans ta vie. C'est comme ça. Ce n'est pas parce que tu es diplômé de l'IBM ou de ou que tu fréquentes Libre. Cela ne va pas t'aider complètement. Moi, je connais les gens avec lesquels j'étais avec l'Institut biblique Héritage. Aujourd'hui, quand ils m'observent, certains d'entre eux, on a fréquenté la même école, on était ensemble à l'IBH. Les jours passés, on s'est croisés. Ils ont commencé à me demander comment va la vie, Ernest. Il m'a dit honnêtement, aujourd'hui, quand je te vois comme quelqu'un qui est très élevé, distingué par rapport à moi. À cause de ce que tu as appris, tu n'as pas abandonné ce que tu as appris comme je l'ai fait. Ceci pour dire tout ce que tu apprends à l'Institut biblique, à compter un taux. Ce n'est pas suffisant, mais c'est de pratiquer la parole de Dieu. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous apprend dans Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Verset 21. Ntibayubahe nk'Imana ntibayishimire ariko bacitse biyumvira iby'ubusa imitima yabo yimbura bwenge icura umwiza biyisa abanyabwenge bacitse ibipfu. Cette parole est tellement triste pour certaines personnes. Cette parole a été adressée à ceux qui sont remplis de la parole de Dieu. Mais en réalité, il n'y a pas de changement dans leur vie. On les voit en cravate. On les voit qui frippent. Ils se disent, moi, j'ai déjà 4 diplômes. Un jour, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit, moi, j'ai appris la parole de Dieu avant que tu n'en naisses. Mais la Bible vient de nous dire qu'ils se vantent d'être sages, mais en réalité ils sont devenus fous. Ceci pourquoi? Parce que leurs pensées, ils sont égarés, ils sont loin de la parole de Dieu. Un jour Dieu a dit à Josué, après la mort de Moïse, il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est toi que je nomme pour remplacer Moïse, mais je veux te confier un secret, peut-être que tu ignorais. Tout ce qui se trouve dans cette parole, médite-le jour et nuit. Ainsi, tout ce que tu entreprendras réussira. Et tu seras heureux dans tes activités. Si tu pratiques cette parole, cette partie-là de pratiquer la parole de Dieu dans ta vie, c'est ça qui manque dans la vie de beaucoup de gens. Ils ont d'autres types de pensées, mais qui sont contraires à la parole de Dieu. Ce sont des gens qui se disent qu'ils connaissent beaucoup de choses, mais qui va agir dans leurs pensées, ils ne reflètent pas ce que dit réellement la parole de Dieu. Nous avons lu
icyatumye Yesu aza akagucungura ce qui a fait que Jésus puisse venir pour te racheter kugira ngo ntube ukinezereza c'est pour que tu ne vives plus pour toi-même ari kubeho unezereza wo gushitseho yaguhaye ubuzima mais pour que tu puisses vivre pour faire plaisir à celui qui t'a racheté donné la vie cyo gitumi jamu y'Imana ritubwiye ngo bacitsa biyumvira iby'ubusa raison pour laquelle la Bible nous dit que ces gens ils sont imitima yabicicura umwiza ils se vantent de leurs pensées ils sont égarés des voies de Dieu kandi bazi ijambo ry'Imana alors qu'ils se disent qu'ils connaissent la parole de Dieu Satan ntakangwa nuko utsi ijambo ry'Imana le diable n'est pas impressionné parce que tu connais la parole de Dieu akangwa nuko mais il est impressionné ufashe umwanya ukaririmbura tu prends le temps pour méditer la parole. Tu réfléchis par rapport à cette parole. Et après, tu la mets en pratique. Et après, tu agisses sur cette parole. Tout cela fait que le diable puisse trembler. Dieu s'attend donc à ce que nous accomplissions ce qu'il attend de nous. Non pas qu'on puisse écouter seulement. En étant des auditeurs oublieux. Parce qu'il viendra un autre moment où il y aura une récompense pour tous les individus. Et toutes les personnes seront rémunérées selon tout ce qu'ils auront accompli. Je voudrais qu'on lise dans Matthieu. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. Turasoma kurujya murongo wa 27. Matthieu 7:21. Havuguku. Umuntu wese amvumereza ati mwami mwami siwazo kwinjira mu bwami bwo mwijuru atarukora iki atarukora iki atarukora ibyo data wo mwijuru ashaka ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Raison pour laquelle on devrait faire une introspection de se positionner, de se mettre devant le miroir de Dieu, de se mettre comme sur une balance, comme nous le dit la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas parce qu'on répète Seigneur, Seigneur, en réalité, devant Dieu, cela n'a pas beaucoup d'importance. Tout ce qui est précieux devant Dieu, c'est la raison dont tu reçois la parole. Le temps que tu as accordé à la méditation de la parole. Le temps que tu as pris pour que Dieu puisse t'expliquer cette parole. Le don sur lequel tu agis par rapport à ta parole. Raison pour laquelle Jésus n'est pas impressionné. Ce n'est pas parce que tu répètes Seigneur, Seigneur. C'est également la même raison. Dieu s'attend à ce que tu lui dédies toute ta vie. Que tu puisses entrer en lui. Que tu te consacres réellement à Christ. Tu donnes complètement ta vie à Jésus. Quand nous lisons dans Romains chapitre 6. Mujye kumbabarira umwanya iwanyuratsimbye mugabo ntakundi tugira duheze. Je demande votre indulgence parce que le temps est précieux pour vous mais nous sommes sur le point de terminer. Gatandatu Romains 6. Igice cya gatandatu murongo wa 22. Romains 6:22. Habuguko ariko noneho ko mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icyaha mukajyakarira Imana mufise imbuto zanyu ziza n'ukwezwa kandi amaherezo n'ubugingo budashira. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ceci pour dire pour atteindre une bonne et fin heureuse. Le début devait être également meilleur. Le début, c'est que tu sois vraiment enraciné en Jésus. C'est que tu te consacres à Jésus. C'est que tu dédies ta vie à Jésus. Tout ce qui te demande de le faire, tu le fais.
ukamenya ko ujakariye we. En réalité, tu reconnais que tu es esclave de Jésus. Qu'il est le seul roi dans ta vie. Na ukaburu mujya wiwe. Et toi, tu es comme son esclave. Kandi byo akubwiye. Et tout ce qu'il te demande de faire. Akabari byo ukora. Tu le fais parfaitement. Nicyo gituma vuze uko ko mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icyaha. Il nous dit étant affranchi du péché. Mukajya karira. Mais devenu esclave de Dieu, il y a des gens qui ignorent ces choses. Et ils te disent, moi je fréquente l'église El Shaddai. C'est vraiment une bonne église. Nous avons la parole. Les choses sont vraiment merveilleuses à El Shaddai. Mais en réalité, dans sa vie, il n'est pas affranchi du péché. Même maintenant, il marche dans le péché. Il n'a pas honte d'insulter les gens. Il n'a pas honte de voler. Il n'a pas honte de commettre le péché. Mais il se dit, moi j'attends la vie éternelle. Jésus affirme ces paroles. Toute personne qui est devenue esclave de Dieu, celui qui est esclave de Dieu, celui qui est mort sur son péché, cette personne-là, il a comme fruit la sainteté. Il vit dans la sainteté de Dieu. Tu n'es pas saint parce que tu fréquentes El Shaddai. Tu n'es pas saint parce que tu es diplômé de l'Ibre. Tu n'es pas saint parce que tu connais beaucoup sur la parole de Dieu. Mais tu es saint parce que tu es devenu esclave de Dieu. Dans tes pensées, c'est Jésus qui règne. C'est lui qui te dirige. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est la sainteté de Dieu. Et la fin de toute chose, c'est la vie éternelle. Nous allons clôturer sur Luc 6, 46. Luc 6, 46. Luc, chapitre 6. Sur son verset 46. Il est écrit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Amen. Amen. Imagine un peu. Si jamais Jésus était au milieu de nous aujourd'hui, si tu pouvais le voir face à face, tu le vois t'interpeller, toi qui es assis derrière, viens par ici. Et tu te pointes devant Jésus. Et si tu interroges, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'observe en cet instant. Il se dit, ça c'est une question banale. Si jamais Jésus devait se présenter et te dire, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Pourquoi tu es ici? Pourquoi m'appelles-tu Seigneur? Vyukuri, est-ce que tu es sûr que je t'ai racheté? Est-ce que tu connais mes attentes par rapport à toi? Est-ce que tu vis de la même façon que j'ai prévu dès le commencement? Pourquoi tu ne fais pas ce que je t'ai demandé dans ta vie? J'ai prévu pour toi la vie éternelle. Mais en retour, je m'attends quelque chose dans ta vie. Mais regarde combien tes pensées sont égarées. Mais la parole de Dieu nous rappelle. Proverbe 3, 27. Tel qu'il est, tel qu'il pense. Regarde la façon dont tes pensées sont. Réfléchis par rapport à tes pensées. Beaucoup de gens ne font pas attention à leurs pensées.
Mais il faut attention par rapport aux pensées des autres. Imana igusaba urabe ibyo wiyumvira. Dieu t'invite à réfléchir par rapport à tes pensées. Kugira ko bihuye n'ibyo kuziga kwa kurindiriye ko. Pour que tu sois sûr que ça soit conforme à ses attentes. Jamadimana itubwira ngo. Et la parole de Dieu nous dit encore. Yesu yarasezeye abigishwa biwe. Jésus a dit au revoir à ses disciples. Ngiye kubategurira hanyu. Il a dit je m'en vais vous préparer une place. Kugira ngo aho ndi namwe bariho muzoba muri. Pour que là où je suis vous puissiez y être aussi. Ariko no musa rakubaza ati ibyo Mais aujourd'hui, Jésus t'interroge. Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Nous devons avoir la foi en Jésus. Et non pas dans les hommes. On ne doit pas garder notre foi dans le Bouddha. On ne doit pas s'attendre à d'autres personnes. Jésus, il est le début. Il est le début et la fin. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous terminons par là. Ariko dushaka kubaza umuntu muri we. Mais on voudrait s'adresser à quelqu'un qui est dans cet endroit. Jewe, qui se dit honnêtement. Vyukuri Yesu sinarinda muzi kwa keneye vyukuri jewe. Je n'avais jamais réalisé que Jésus attend de ça de ma vie. Ndashaka kunywana nawe. Je veux vraiment communier avec Jésus. Jesu ndanamwakira nk'umwami wanje n'umukiza wanje. Je n'ai pas encore reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Burya hari abantu benshi. Il y a beaucoup de gens. Je les vois quand je suis à Kirundo. Il y a des gens qui désirent inviter Jésus dans leur vie comme leur sauveur et non comme leur Seigneur. Ils veulent être guéris de leur maladie et ils veulent quitter leur pauvreté. Ils veulent avoir une meilleure vie. Mais c'est vraiment très compliqué pour accomplir Jésus. Ils ne veulent pas que Jésus soit leur Seigneur. Ils veulent vraiment que Jésus soit leur Sauveur seulement, mais qu'il ne soit pas aussi leur Seigneur. Mais Jésus veut d'abord qu'il soit ton Seigneur. Et après, il devient ton Sauveur. Raison pour laquelle je t'interpelle ce matin. Jésus veut que tu prennes une décision pour qu'il soit ton Seigneur et qu'il soit en même temps ton Sauveur. Si toi, aujourd'hui, que tu as convaincu, tu veux te rapprocher de Dieu, je te demande simplement de lever ta main. Dis-lui, Seigneur Jésus, franchement, je désire qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois mon Seigneur. Tout ce que tu désires dans ma vie, je vais le faire. Tout ce que tu vas révéler dans mon cœur, je vais le faire. Je veux vraiment que tu me sauves aussi. Je veux devenir ta propriété exclusive. Je veux devenir ton esclave. Si quelqu'un est prêt à prendre cette décision, parce que nous sommes en route, et c'est un chemin qu'on ne se comporte pas n'importe comment. Nous sommes dans un chemin étroit, mais rempli de plein de joie. Raison pour laquelle tu dois faire une introspection dans ta vie. Je ne te demande pas combien d'années tu fréquentes cette église. Je ne te demande pas combien d'années tu fréquentes d'autres églises. Tout ce que j'attends de toi, c'est ta relation avec ton Seigneur Jésus. C'est ça qui est important dans ta vie. Peu importe le nombre d'années que tu as déjà passées, Jésus cherche ton cœur. Il veut changer ta vie. Il veut que la puissance qu'il a répandue dans le monde, tu puisses l'expérimenter, le servir de façon miraculeuse. Jésus désire à ce que tu manifestes qu'il est réellement Dieu dans ta vie. Il attend que tu partages sa grandeur tangible et non pas la grandeur de tes paroles seulement, mais la grandeur des choses qui sont tangibles. Jésus cherche ton cœur. Nous te donnons l'occasion que Jésus te bénisse. Nous invitons le pasteur Olivier pour faire un appel au salut. Merci beaucoup. Que Jésus soit avec vous en tout moment.
Alléluia. Merci, Pasteur Ernest. On va se lever. Urakoze cyane, Pasteur Ernest, reka duhaguruke. Ora sabana korekia. Père Céleste, merci encore pour ta parole. Data mwije twanga gushimira ijambo ryawe. Si tu es ici ce midi, nimburi hano kuri no mushingamo, et tu veux donner ta vie à Jésus, ukabushaka gwo bugingo bwawe Yesu, tu ne sais pas où tu vas si tu meurs, ukabutazi neza woje bishise ugapfa, Jésus veut te transformer. Yesu arashaka kuguhindura. Et pour ça, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur. Il faut que tu reconnaisses que tu ne peux pas te changer toi-même. Il faut que tu reconnaisses que Jésus est Dieu le Fils. Qu'il est venu il y a 2000 ans pour toi. Qu'il est mort et ressuscité pour toi. Et tu vas le recevoir. Tu vas lui demander de le recevoir. Si tu es ici ce midi, tu ne sais pas où tu vas si tu meurs, et que tu veux qu'on prie avec toi et pour toi. Pour encore plus d'informations sur les activités de l'église El Shaddai, rendez-vous sur notre page Facebook Église El Shaddai de Bujumbura et interagissez sur des programmes mis en ligne en les partageant avec vos amis. Et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Visitez aussi notre chaîne YouTube Église El Shaddai de Bujumbura, où vous pourrez télécharger gratuitement les enseignements et les prédications que vous aurez aimés. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web www.ministere-elshaddai.com.